Flamur Schala, Fokus Strategie. Mittwoch, der 26. Januar 2022. Jetzt habe ich hier den Pfaffenbrief. Pfaffenbrief, und zwar ist der vom 7. Oktober 1370. 7. Oktober, September. Oktober, das ist der 10. Ja. 1370. Und auf Französisch Charte des Prêtres. Wird zwar ein bisschen geschrieben, ich schreibe es jetzt trotzdem gross. Ich werde jetzt zuerst auf Französisch einlesen und dann auf Deutsch. Weil auch da wieder, was ich mache, ist, ich habe den französischen Text vor mir und gebe den online ein zum Übersetzen. Und während der Online-Übersetzung kann Fehler passieren. Und falls Fehler passieren, würde ich dann kann das beweisen. Ich mache da das Naturvideo. So, jetzt habe ich hier, wenn der Bursar wieder schon wieder mal so nahe ist, dann nehme ich den natürlich auf. Ich habe noch andere Naturvideos veröffentlicht. Also jetzt Charte des Prêtres. Charte des Prêtres. Charte des prêtres, charte du 7 octobre 1370. Nous, tous, bourgmestres, conseils, maîtres de corporations et bourgeois de la ville de Zurich, nous tous, avoyers, conseils et bourgeois de la ville de Lucerne, nous tous, aman, conseils et bourgeois de la ville de Zug, nous tous, aman et habitants des trois pays d'Uri, de Schwyz et d'Unterwald, faisons savoir à tous ceux qui verront ou entendront cette lettre que, de bonne foi et après mûre réflexion pour le profit, le besoin et la paix de notre pays, nous sommes tombés d'accord tous ensemble et à l'unanimité sur l'ordre et les lois qui sont écrites ci-après. Nous avons en premier lieu décidé ceci. Toute personne, prêtre ou laïque, noble ou non noble, qui veut s'établir et avoir une maison dans l'une de nos villes ou l'un de nos pays sudites, que ce soit pour y vivre personnellement ou pour y installer des gens à son service, et qui a promis et juré au duc d'Autriche ses services au bon office, doit aussi promettre et jurer de contribuer à l'honneur et à la prospérité des villes et des pays sudites, et de signaler en toute loyauté tout ce qu'elle saurait pouvoir causer préjudice ou dommage, d'une façon quelconque, aux villes et aux pays sudites, à tout ou à l'un d'entre eux, et aucun serment, ni antérieur ni ultérieur envers qui que ce soit, ne peut la soustraire à cette obligation sans aucune réserve. Aucun prêtre établi dans notre confédération, dans les villes ou pays sudites, et qui soit ni bourgeois, ni habitant, ni confédéré, n'a le droit de faire rechercher ou de citer un habitant
des villes et pays saoudites devant un tribunal étranger, qu'il soit ecclésiastique ou civil. Mais il a le droit de faire valoir son droit devant le juge et dans la ville où il est établi. Ceci seulement pour des questions matrimoniales ou ecclésiastiques sans aucune réserve. Si un prêtre y contrevient, la ville ou le pays où il habite doit prévenir et agir avec toute la communauté en sorte que personne ne lui donne à manger ou à boire, ne l'héberge et aucune autre communauté ne fasse du commerce avec lui. Sans réserve, ce prêtre ne doit recevoir un abri de personne ni de nos villes, ni de nos pays jusqu'à ce qu'il renonce aux tribunaux étrangers. Et jusqu'à ce qu'il aille réparer le dommage causé à l'accusé devant ces tribunaux étrangers, sans aucune réserve. Si quelqu'un dans les villes et pays saoudites attaque autrui, sans raison, et lui cause dommage pour lui saisir un gage ou toute autre chose, ceux chez qui habite ont le droit de se saisir de sa personne et de ses biens et de le forcer à réparer totalement le dommage. Car nos pactes stipulent que personne ne doit injustement causer un dommage à quelqu'un. Si un laïc parmi nous en attaque, un autre devant les tribunaux, des tribunaux étrangers, ecclésiastiques ou civils, pour une affaire civile, le plaignant doit faire réparation à l'accusé pour le dommage causé, car chacun doit faire valoir ses droits devant le juge dont l'accusé dépend. Comme nos pactes le stipulent, aucune personne résidant dans les villes et pays saoudites n'a le droit de donner ses affaires ou d'attribuer ses paroles à quelqu'un de telle sorte que celui-ci soit puni par la vertu de ce qui est écrit ci-dessous et ci-après, sans aucune réserve. Si quelqu'un résidant dans les villes et pays saoudites abandonne son droit de bourgeoisie ou son droit de confédéré et ensuite attaque et cause préjudice à un confédéré devant les tribunaux étrangers, ecclésiastique ou civil, il n'a plus le droit de revenir dans cette même ville ou ce même pays avant qu'il ait fait entière réparation à l'accusé pour le dommage causé devant les tribunaux sans aucune réserve. Nous sommes également convenus à l'unanimité d'assurer la sécurité de toutes les routes passant sur le territoire de notre confédération. Depuis le pont écumant entre Göschene et Andermatt, jusqu'à Zurich. Alors, encore une fois, nous sommes également convenus à l'unanimité d'assurer la sécurité de toutes les routes passant sur le territoire de notre confédération, depuis le pont écumant jusqu'à Zurich. N'importe qui, étranger ou indigène, hôte ou citoyen d'une ville ou de pays, quel que soit son titre, doit pouvoir voyager dans tous nos districts et territoires, et aussi dans ceux des gens qui dépendent de nous, sans danger aucun pour sa personne et ses biens. Et nul ne doit l'inquiéter, l'arrêter ou lui causer un dommage. Et si quelqu'un le fait, il nous faut nous aider et nous entendre mutuellement pour l'obliger à faire toute réparation et payer toutes dédommagements que sa situation ou sa fortune permettent, sans aucune réserve. Et comme il est arrivé que des gens des villes ou des pays aient fait parfois des coups de main et aient attaqué, rançonné et molesté autrui, et que cela peut avoir de graves conséquences, nous avons pour empêcher ces ennuis interdit d'un commun accord qu'un ressortissant des villes et pays saoudites entreprenne un coup de main et moleste quelqu'un en le rançonnant ou autrement, à moins que ce ne soit au su et avec l'autorisation des autorités de la ville ou du pays où habitant ceux qui ont fait ou veulent faire ce coup. Pour Zurich, du bourgmestre et du conseil,
pour Lucerne de la voyer et du conseil, pour Zouk de la manne et du conseil. Et pour les trois pays d'Uri, de Schwyz et d'Unterwald, des amants et des conseils. Si quelqu'un y contrevient et qu'il en résulte quelques dommages, la vie ou le pays doit se saisir immédiatement de sa personne et de ses biens pour qu'il expie cette attaque et dédommage la victime. So, das ist der Pfaffenbrief. Hein, c'est le charte des prêtres ou une pièce du charte des prêtres. C'est un texte de 1370. C'est une charte. Hein. Also, gemäß, wenn man jetzt online sucht, dann. Methode von Definition von Oxford Languages ist eine wichtige Urkunde im Staats- und Völkerrecht, also eine Urkunde. Das ist ein Schacht. Ich werde es nachher noch auf Deutsch lesen, eine Übersetzung, die ich jetzt vom Französischen habe.